tests ADN prennent toujours autant de temps. Ils font déjà des heures sup, sois patient, ça va arriver. Le problème, c'est que la patience, ça n'a jamais été mon fort. Tu vas regarder un peu cette lettre. Elle se trouvait dans le courrier de Hirsch. Elle avait commandé des clubs de golf qui valaient très cher et elle a annulé la commande hier. Alors la boîte exige un dédommagement parce que ces clubs sont fabriqués sur commande exclusivement. C'était une grande golfeuse ? Elle ne jouait pas au golf. Tu veux des vitamines ? À défaut d'autre chose. Choisis. Tu peux avoir du céleri, une belle carotte ou alors une tomate. Ça m'est égal. Ça alors, quel culot! Puisque c'est comme ça, je vais me prendre une pâte d'amande. Et moi, je vais me prendre une petite cerise. Et toi, Rex, un petit pain au saucisson. Elle est pas belle, la vie. Il faut arrêter Lexa à l'aide-soignant. C'est lui le père de l'enfant. Quelle ordure. Monsieur Kolacek, que se passe-t-il? Vous savez où est Lexa, l'aide-soignant? Il doit dormir quelque part, c'est le calme place cette nuit. Et où peut-on le trouver? Au premier, en général, c'est là qu'il dort. Merci. Je dors bien. Mais votre chien va devoir rester dehors. C'est un chien qui a tous les droits. Lexa n'est pas au premier étage. L'infirmière de garde ne sait pas où il est. Il est forcément à la clinique. Si quelqu'un veut sortir, il faut qu'il passe devant moi. On ne peut pas sortir par derrière? Non, non, la nuit, toutes les portes sont fermées à clé. Monsieur Kolacek! Mais qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi? Bah qu'on a de graves problèmes avec le chauffage. Où est-il? Au sous-sol. Je ne crois pas que ce soit un suicide. Vu les traces sur les semelles, il devait être inconscient ou même déjà mort quand le meurtrier l'a pendu. Bravo, cher collègue, c'est aussi ce que je pense. Je dois faire attention, parce que si vous continuez comme ça, un de ces jours, vous allez me voler mon poste. Ça non, docteur, il n'y a vraiment aucun risque. Vous savez bien que personne ne vous arrive à la cheville. Non, bien sûr. Mais puisque vous êtes de bonne humeur et que vous avez eu le culot de me sortir de mon lit un dimanche matin à l'aube, je trouve que ce serait gentil, voire normal, de me récompenser d'une façon ou d'une. Tel que je vous connais, vous pensez à un bon vin. Et le préférence du rouge. S'il venait de vignobles bordelais, je n'y verrais aucun inconvénient. Excellente journée et à demain. Vous avez quelqu'un? Oui, il voulait faire disparaître les traces. On dirait qu'il emmenait des femmes ici, tu crois pas? Il faut que personne ne sorte de la clinique. J'appelle du renfort. Tu viens, Rex? Bonjour, comment vas-tu? J'ai passé la nuit à penser à ce que tu sais, c'était l'horreur. Oh, mais tu sais que vous ne pensez qu'à ça tout le temps. Pas à cette chose-là, non? À l'autre chose. Ah, tu veux parler d'une grosse escalope milanaise et d'un délicieux rôti de porc avec des nouilles. Arrête, je t'en prie, rien qu'à t'écouter, j'ai pris au moins 400 grammes. Bravo, Kout. Lexa avait réservé un voyage super luxueux, j'ai trouvé le reçu dans son casier. Il voulait filer? Ouais. C'est bizarre qu'un aide-soignant ait les moyens de s'offrir un tel voyage. C'est exactement ce que je pense. Ça sent le chantage à plein nez.
Et vous, vous avez avancé? Le gardien était parti grignoter dans la cuisine. La femme de ménage peut le confirmer. Le docteur Balak a passé la nuit dans son bureau. Claudia pourra te le confirmer. Et le docteur Meyer? Lui, il travaillait sur un rapport scientifique. Et son alibi, c'est Suzanne, l'infirmière, qui le lui fournit. Ils se couvrent mutuellement, de toute façon. Qu'est-ce qui t'arrive encore? J'ai l'impression d'avoir fait une bêtise. Laquelle? J'ai accepté de fournir un alibi au docteur Balak. Pourquoi? Si je le savais. Et toi? J'ai fait une bêtise, moi aussi. Docteur Meyer? Mais ça ne va pas, c'est quoi ces salades? C'est sûrement une erreur, sinon le docteur Hirsch m'aurait prévenu. Montrez-moi. C'est écrit ici, le docteur Hirsch a tout annulé par téléphone hier. Vous voyez? Marc, regarde. GM. GM. Docteur Günther Meyer. Viens. Elle voulait m'offrir des clubs de golf. Je n'étais pas au courant. Avait-elle une raison de vous les offrir? Non. C'était peut-être par rapport à mon travail. Et pourquoi, d'après vous, a-t-elle annulé la commande? J'aimerais bien le savoir. Est-ce que par hasard, il y aurait eu un différend personnel entre le docteur Hirsch et vous avant-hier? Alors, réfléchissez. Si c'était le cas, vous seriez déjà au courant. Oui, sans doute. Mais c'est très étonnant. On ne change pas d'avis de but en blanc. Que s'est-il passé entre elle et vous? Il n'y a rien eu de bien particulier. À part le problème avec la patiente. Et d'après ce qu'on nous a dit, vous étiez proche du docteur Hirsch, est-ce vrai? Elle me trouvait sympathique, voilà tout. Les femmes me trouvent souvent sympathique. Il y a quelque chose qui cloche chez ce mec, et même s'il veut paraître sûr de lui. Hirsch a téléphoné en début d'après-midi pour annuler. Pourquoi? Qu'est-ce qui a pu se passer? On va revoir la liste des visites qu'elle a eues, etc., etc. Enfin, juste, on va se faire la totale. Ah, docteur Balak! Claudia, j'ai trouvé cette feuille par terre. Je regrette. Votre requête nous a fortement étonnés parce que... J'ai de penser que personne ne veut dire la vérité dans cette clinique. Est-ce que le docteur Meyer avait une liaison avec l'ex-chef de service, oui ou non? Jean-Claude, je ne suis pas en mesure de vous répondre. J'aimerais savoir ce qui l'a poussé à lui offrir des clubs de golf aussi chers. Elle n'a jamais fait allusion à des clubs de golf devant moi. Thank you.
arrêtez le moteur et vous descendez. Descendez. Merci et bravo. C'est fini, cher docteur. Toi, tu as la mort de deux personnes sur la conscience, ordure. Oui, mais combien j'en ai sauvé, hein? Combien j'en ai sauvé? Je suis bien meilleur que tous ceux qui ont fait des années d'études. Je l'ai prouvé. Je suis le meilleur, je l'ai prouvé tous les jours. Je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Il n'est pas médecin, et en voici la preuve. Un document de l'université. Le docteur Hirsch avait envie d'en faire son remplaçant, et pour l'occasion, elle voulait inviter ses amis de fac. C'est comme ça qu'elle a découvert qu'il n'avait pas fait d'études. Seulement Lexa a découvert le poteau rose, a photocopié les documents et a commencé son chantage. Hirsch, entre-temps, a exigé qu'il démissionne, alors il a vu rouge et a fini par la tuer. Exact. Ah, voilà Kunz. Les kilos, on les prend en mangeant des pâtes d'amande. Ça aussi, vous l'avez découvert? Tu nous fais celui qui souffre, seulement t'arrêtes pas de manger des sucreries en cachette. Eh oui, je sais. L'esprit est fort, mais la chair est faible. Et ça veut dire que tu retourneras acheter nos petits pains aux saucissons.